Eh bien, bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue, re-bienvenue dans ce Let's Play Incredible de Pokémon Platine. Nous sommes laissés, bien entendu, la dernière fois en face de cette magnifique arène de félicité. T'as capté le jeu de mots. Mais il semblerait que ce soit un petit peu complexe comme arène. Pourquoi je suis ressorti, je ne sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de faire évoluer notre ami et comparse. Mysticram, vraiment j'étais en train de réfléchir. J'ai eu un trou de mémoire, gros, j'ai bugué. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais au bout du rouleau. Notre ami Navaron, bien sûr. Donc le louche, on va lui laisser leech un petit peu l'XP. Bien sûr, Navaron bientôt level 14. Et level 14, j'ose espérer qu'après son évolution, il apprendra enfin une attaque de type combat afin de laver le serveur. Sinon, ce serait catastrophique. On va rester sur du Flamèche en perma. Ah là là! C'est parti! Oh, j'espère que cette arène, par contre... j'ai envie de la laver. Il y a des arènes qui vous ont particulièrement traumatisé quand vous étiez gamin, genre sur toutes les générations confondues. Moi, je me souviens d'une arène en particulier, d'accord? Et d'un Pokémon en particulier. Si je vous dis Blanche, et si je vous dis Écrémeux... Oh bah tiens, regarde. Oh, mesdames et messieurs, je vois que nous avons eu la même enfance. Quelle catastrophe. Elle, vraiment, j'en faisais des cauchemars. Hein. C'était... Non. Ahurissant. Ahurissant, c'était une catastrophe. Attends, on va quand même... la faire passer là. Prendre une petite popo. La flemme de sortir. Voilà. Ah ouais, Blanche, le écrémeux et c'est catastrophe. La roulade. Parce qu'en fait, c'est une attaque, hein, c'est pas. Voilà. Roulade. Roulade, les amis. C'est-à-dire que quand elle appelle écrémeux, tu te dis, ah oh, ouais, bon, il va tanker. Le problème, c'est que le Pokémon tanque beaucoup trop. Et elle lance roulade. Et à partir de roulade, c'est une main dans le falzar. Elle ne fait plus rien, Blanche. Enfin, ça fait plaisir, juste, c'est tout, tu vois. Donc c'est catastrophique. Parce que roulade, ça attaque, au début ça avait pas trop de dégâts. Et en fait il enchaîne, il fait que ça. Et à la fin frère, ça one shot tous tes Pokémon. Et généralement t'as ton premier Pokémon, c'est ton starter, voilà, t'essayes de tout faire dessus. Le mec te marave la gueule, tu ne peux rien faire. Et dès que tu changes de Pokémon, puisque au moment elle va finir par tuer ton Pokémon, il se fait one shot. Qu'est-ce que ça m'avait traumatisé. C'était une catastrophe, hein, vraiment. Ah ouais. Ma copine s'appelle Blanche, je lui ai fait payer ce cauchemar. je lui mettais des patates. Onyx va être envoyé? Non, je ne vais absolument pas changer, on va rester là-dessus. Onyx niveau 9. Par contre, Onyx, ça donne pas mal d'XP. Donc, ouais, c'est pas très efficace. Oh, la brûlure! Oh, bah alors, ça, c'est caviar, ça. Oh, et en plus, il fait armure, il est con comme une table, c'est absolument parfait. Y a rien à dire. Va dire ça à Terry sur la 4G. Alors bah, on est sur la 4G, je ne sais pas de qui tu parles, puisque moi je connais pas, donc apparemment tu viens de me spoil. Tu viens de me spoil qu'il va y avoir une dinguerie. Super, merci beaucoup. Waouh. Super. Super. Tu as 207 points d'XP Onyx, hein, ça c'est vraiment de la régalade. Et Navaron, niveau 14, mesdames et messieurs, est-ce qu'on commencerait pas cet épisode, ce troisième épisode du Let's Play, par de la pure dinguerie, comme on appelle ça. Quoi? Navaron évolue? Alors il évolue en quoi, Wistikram? Est-ce que j'appuie sur B? Non, je vais pas le faire. Il évolue... Oh là là, en mono-sourcil man. C'est quoi ça? En chimpanfeu. Chimpanfeu. Eh bien écoutez, chimpanfeu, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va l'avoir dans le Pokédex? Oh, Macpunch. Bien sûr. On va changer, on enlève quoi? Macpunch, on enlève gros yeux, griffe, parce que de toute façon Macpunch c'est physique, donc je pense qu'on peut garder gros yeux pour baisser un peu la def si on veut se faire un peu plaisir. Non, gros yeux non, d'accord, ouais, si vous voulez, ok. Soit je m'en fous un des deux. Tada! Navaron oublie gros yeux. Et Navaron apprend Macpunch.
même pas de Pokédex, ça dégoûte. Bon bah parfait. Du coup maintenant on peut le faire, on peut aller soigner la totalité du roster. Hop 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 hop. C'est parti mesdames et messieurs, nous allons affronter notre premier champion d'arène. Au bout de plus de 2 heures de Pokémon, après discussion, bête, rigolade, pexing, blague en tout genre, bien sûr, on y va. Allez, à une prochaine fois, bien sûr. J'espère qu'on va pas avoir trop de soucis. Normalement, on est bon. Allez, c'est parti. Imagine je perds. Non, je rigole. Mais imagine quand même. Alors, c'est, du coup, vous me dites que c'est un mec. Je sais pas, hein. J'ai une meuf. Bon, je vais lui parler sur le côté. Ouais, ah, c'est vrai, ouais. Je sais pas. C'est. Bon, voilà, effectivement, vu qu'il s'appelle Pierrick, je suis pute. c'est un homme, d'accord. Je suis qu'un dresseur combattant fièrement avec des Pokémon roche. En tant que champion, je dois voir ton potentiel de dresseur et je dois aussi vérifier la force des Pokémon qui se battent à tes côtés. Eh bien, c'est parti. Ah oui, ouais, Pierrick. Ouais, Pierrick, ok. Ma meuf s'appelle Pierrick. Ok, pas de soucis. Ok, il appelle qui? Il appelle Rakayu, level 12. Another round! Je t'ai choisi! Alors, est-ce qu'on irait pas faire un Mach Punch? Ouais, je pense que ça va le faire mal. Ouais, bien joué. Oh, piège de rock. Oh non, il m'a piégé. Oh, I am full of piéged. Mach Punch, again. Mort. Ah oui, 187 points d'XP. Ça prend de l'XP ici. On va passer le level 4. Oh là là, Onyx. Oh, quelle régalade, mesdames et messieurs. Onyx, ça va être juste du free pexing. En quoi? On met pas midlife? Ou jet de pierre, par contre. Ou jet de pierre, là, qui tape un peu. Mais on va s'en sortir. Ok. Jet de pierre again. Attention, hein. Mon chimpanfeu a l'air de bien s'en sortir. On est quand même midlife. Connard. Pardon. Après ça lui sert à rien parce qu'il retarde l'échéance. Ah, quoique je vais pas le tuer cette fois. Je vais pas le tuer là je crois. Je suis abattu. Putain. Je vais le tuer avec Flamèche pour lui chier dessus. Voilà le bouffon. Un petit niveau 15 qui va être pris là. Ouais directement. Il va appeler quoi, un Rakayu maintenant? Cranidos. Non, je connais pas ça, Cranidos, c'est quoi? C'est quoi ça? Ok. C'est bizarre quand même. C'est nul à chier. C'est ça. Ok, je ne baisserai pas les bras, Mach Punch. Wow, quand même. Allez, à plus sur l'âne. Voilà. Allez, Navarron directement là qui prend un maximum d'XP branché. J'avoue que j'ai. Il a le même crâne que moi. Le Pokémon calve, gros. C'est un Pokémon calvicier. C'est embarrassant, j'ai perdu contre un dresseur qui n'a même pas de badge. Mais c'est normal, tu avais la puissance et j'étais trop faible, c'est tout. La puissance, quand j'arrive. D'après le règlement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène puisque tu m'as battu. Voilà le badge charbon officiel de la Ligue Pokémon. Parfait. Ouais, je le battais sur la calve, je pense. Ouais, c'est vraiment un Pokémon calvitie, quoi, ça me termine. On peut utiliser Clatroc du coup maintenant, c'est bon. Et quel CT va nous donner? Est-ce que c'est coup de boule, jet de pierre? D'accord, piège de rock. Elle inflige des dégâts aux ennemis qui entrent en combat. Ok. Trop content. Bah, merci. Merci vraiment, c'est juste malade ce qu'on vient d'avoir. Ouais, on va les soigner tout ça. Eh bien, notre premier dresseur a été abattu. Enfin, abattu. Le mot choisi est peut-être un peu fort. Donc c'est bon, c'est récupéré. Du coup, je suppose que je vais être obligé de foutre Éclatroc sur un Pokémon pour la suite de l'aventure ou un truc comme ça. C'est ça? Ouais, ça fait un peu chier. Tu affiches pas les badges comme avant? Je pourrais les afficher sur l'overlay. Il faudrait que je les récupère en PNG.
et que je les mette là-bas, en bas, à côté des versions platine, là. Comme ça, vous saurez en direct quel badge j'ai. Ouais, je ferai ça, je rafficherai, donc ce sera très sympa. Ouais, je vais faire un CS Live Knotor. Bah, il y avait Knotor, on m'a dit Machoc aussi. Donc, à voir. Alors, dans la ville ici, qu'est-ce qu'on a à voir? Est-ce qu'il y a des trucs sympas? Je vais aller visiter un petit peu, parce que moi, j'ai pas visité encore. Alors, c'est quoi ici? C'est une bibliothèque. Ouais. Si c'est étage, prendre autant de Pokémon que possible. Ouais, d'accord. Je sais pas, il y a l'air d'avoir un étage. Je vais aller découvrir un petit peu tout ça. Un psychoquack. Il faut donner des noms aux Pokémon. Tu as ainsi l'impression qu'ils t'appartiennent vraiment. Wow, bravo. Ah, d'accord. Oh, une sombre bol. Pour les Pokémon un peu brossons. Si jamais je veux appeler un Pokémon Sasuke, ce sera pas mal. Parfait. Est-ce que j'ai autre chose à aller récupérer? Non, j'ai de la popo. On a fait l'arène. Moi, je serais d'avis d'aller de repasser un petit coup dans la grotte. Est-ce que vous me conseillez de revenir dans cette grotte-là ou pas? Ah bah tiens. Oups, Jiraya, tu as obtenu le badge. Vestigion est la prochaine ville avec une arène ou obtenir un badge, non? Ah bah peut-être. Alors, je suis allé vers la route 207, mais tu ne peux pas la traverser. Sans bicyclette, j'ai fait combattre mon équipe pour la renforcer. Au moins, je n'y suis pas allé pour rien. Bah super. Très bien. Il est bizarre un peu l'ambiance. Bon, écoute, attends. Je vais déjà aller voir parce qu'il me dit qu'on peut pas y aller sans bicyclette, donc c'est qu'il doit y avoir une autre ville. Qu'est-ce qu'on a là? Musée minier, le Charbourg. Ouais. Je suis pas très mine. Ouais, les fossiles, très bien. C'est quoi? C'est un centre de recherche de fossiles peut-être ici, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a alors? Bonsoir. Tu me rappelles quoi quand j'ai mon premier Pokémon? Bah, je suis très content de l'apprendre. Yes. Putain, oh lui il a une calme. Lui il a une calme, une vraie calme. Hein. Lui il est injouable. Salut, tes Pokémon ont besoin de devenir plus forts. Pourquoi ne vas-tu pas t'entraîner à la mine de Charbourg? Ah, parce qu'il y a un vrai truc pour s'entraîner à la mine de Charbourg, du coup. Je croyais que c'était un truc de mort. Merci. Ouais. Ouais, en gros, c'est les bâtiments, il y a des mecs qui te donnent des trucs. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'assez, d'assez fou dans le coin. Ok. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Ok, bah merci. C'est pour le lore, c'est pour le lore. Salut à ceux qui rejoignent, salut. Et souterrain pour choper les fossiles. Ah, c'est pour ça. Ce sera la ville des fossiles. Très bien. Je vais juste monter, voir. Une intrigue avec ce truc de bicyclette là, sur la route 207. Voilà. Sur la route de Memphis. Ah, donc là, je peux pas monter, forcément, je vais glisser. Et je suppose qu'à côté, ça va être la même chose. Ah oui, d'accord, non, faut vraiment une bicyclette de base, tu peux pas. Très bien. Un petit racaillou de ce côté-là. Ouais, vas-y, mon petit Navarro. Vas-y, il est niveau 5, mets lui ce qu'il mérite. Absolument. Bah écoutez, on va retourner à Félicité et on va aller chercher le prochain badge. On va se diriger vers là-bas. Epex un petit peu. On va essayer de faire évoluer surtout mes deux autres Pokémon. J'allais parler au biker là qui est en bas à droite. Oh, un Ponyta, c'est trop bien. Ah, oh, juste pour le Pokédex. Je vais pas l'utiliser, mais c'est trop bon, un Ponyta. C'est trop trop stylé. Ponyta. Petit Ponyta, les gars, quand même. Merde. Mike Punch. Je voulais le capturer. Non, je voulais le capturer juste pour mon Pokédex. Oh, c'est pas drôle, hein. Oh putain, l'XP. 130 d'XP, il m'a donné. Ouais. Combo griffe. J'enlève provoque parce que j'en ai vraiment rien à foutre. J'ai one shot. Hein. Mais attends, est-ce qu'il y a beaucoup de Ponyta ici? Parce qu'en vrai, s'il y a beaucoup de Ponyta, et si c'est pas un Pokémon qui est un peu rare, ça peut valoir le coup de Pex ici. Sans déconner. Pourquoi provoque? Parce que je vais jamais l'utiliser. Je me connais les gars. Tu as raté un don. Excusez-moi, c'est Maxime Aoui qui a fait un don de 2€. Voilà la gige, merci de nous faire rire. Je te suis depuis Erdgold, des bisous. Bah merci mon ami. Écoute, je n'ai pas perdu contre un Fouinette, contrairement à Erdgold ici. Je t'avoue que je suis pas peu fier de cette performance. Machoc. Est-ce que Machoc, on fait pas le CS Slave maintenant du coup?
parce qu'on lui met pas un petit griffe, ça va pas le tuer. Ça... Oh, niveau 16, ça va le tuer, je pense. Non, ça tue pas. Ouais, ouais, je vais le prendre alors. Allez, on lui donne pas de nom, hein, c'est un bouffon lui. Hein. Enfin, quoi que si, on peut lui donner un nom, mais n'oubliez pas que ce sera un gigabouffe. Ça, Machoke, c'est vraiment, il va me servir que pour les CS. Hein. Vraiment. Allez, c'est parti, la capture. Le capturage. Qui sera mon slave ici? Attention, Machoke! Capturé, on va lui donner bien sûr un nom. Gibbs pour la coupe. Allez, ce sera Gibbs, vous avez envie. Machoke, Pokémon colosse! Malgré sa petite taille, sa force lui permet de soulever plusieurs racailloux à la fois! Et il s'appellera Gibbs, évidemment. Ça ira, Gibbs sera parfait. Gibbs, comme dirait un grand homme. Gibbs, mon slave, ça me va. Ok. Fagno, le bâtard. Oh, la ref ultime. Très bien, alors lui. Ah, il faut que j'aille avec Sillon. C'est bon. Attends, je réessaye une dernière fois. Juste pour savoir si... Ah ouais, non, mais il y a bien du polito, quoi. Niveau 5. En fait, je devrais changer de Pokémon en premier et prendre l'XP, quoi. Oh, touché deux fois. Je vais juste prendre l'XP. Alors... 108 points, ouais, c'est beaucoup. Vous savez quoi? On va passer et Lelouch et Maxildan niveau 14 ici. Parce qu'avec 100 XP, ça va aller très très vite, hein, je pense. Voilà. C'est parti. Allez, un petit Ponyta. C'est un Machoke, évidemment. Il fallait qu'on ait le Machoke. C'était sûr et certain. XP les autres. Ouais, j'avais pas changé, hein, t'inquiète. C'est bien prévu. Non, on va se casser, hein. Je vais pas perdre de temps, sinon les combats vont durer 15 ans. Ponyta niveau 5, oh frère, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Combo griffe, c'est pas fou, ah, tu m'as sorti les stats et tout, c'est pas grave, hein. Moi je suis là pour, je leur donne des attaques, je suis là pour kiffer, ça me fait, c'est le lore, c'est tout. Le louche évolue niveau 15, c'est pas 14, ah non, ce sera Maxidon qui va évoluer niveau 15, très bien, niveau 14, pardon. Allez, un petit Ponyta, si c'est vraiment trop rare, je me casse, hein. Sinon c'est bon. Hein. Là, si c'est pas un Ponyta, hein, je vais hurler. Hein. Bon, ouais. C'est chiant. On va quand même frapper de Machoke. Je sais pas combien il donne, 60, 70. Ça doit être quand même correct. Comment il va? Il va très bien, merci Kiwiku pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Oh, la puissance, quand j'arrive. Est-ce que... Tiens, le Twitch Prime. Merci pour le Prime, Mazo. Mazo. Merci à toi, le Mazo. Ouais. Ah, oh, putain, gros yeux. Tu peux pas speed up l'émulateur? Ça doit exister, je pense. Mais on va pas le faire. On se met à l'ancienne. Est-ce que tu pouvais faire ça sur ta console? Je ne pense pas. Oh, le balayage là qui va. Le balayage assassin. Oh non! Oh là là, il est lourd! Ah, franchement, le loup, c'est un force. Hein. Après, l'attaque charge, je déteste cette attaque. Ouais, tout ça pour 75 XP, quoi. Ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Oh, niveau 8 en plus. Attendez, on va faire une petite dinguerie là. J'avais oublié, mais notre type d'année est là. On va lui mettre un petit coup de cruel là, ça va le calmer aussitôt sec. Quoi? Attends. Balayage, c'est pas censé être pas très efficace contre les Pokémon vol? Ah, attends, il a un deuxième type étourmi. Ah, il est normal vol. Ok, c'est bon alors, c'est bon. Moi, ouais, c'est pour ça, il est normal vol, donc je vais pas aller me faire foutre.
Bon, Rakaillou, c'est on fuit, on s'en va. Rakaillou, on va pas prendre 15 ans. C'est temps que je change, que je prenne note, je fasse Mac Punch. Par contre, depuis qu'on a dit si, eh tiens, si je restais là pour pex un peu les galop, les ponytas, y a... bon, j'ai rien dit. Je. I have, don't have to speak. It's good. Ah putain! Karma aide. On boit. Allez, on boit. Voilà. Je prends une petite pops. Soin, potion, bien sûr, sur le louche. Voilà. Et après, on peut le détruire. Ah, j'ai envie qu'il prenne l'XP tout seul là. Ça va le faire monter bien comme il faut. Petite charge ici qui va m'enlever 2-3 PV, il m'enlève 4. C'est pas insane. Oh, la petite Mimiqueux qui est tentée là de la part de Ponyta. C'est très bien vu là, Ponyta hein, qui utilise cette Mimiqueux, la charge. Directement derrière. Quoi? Ça fait 0 dégâts. Mais attends. Ah merde. Ah ouais. Pff, oh là là, c'est nul. Oh, Skildan qui a donné 20. Bah, j'avais pas vu, tu peux mettre Thierry de Webedia dans ton équipe SGP. Ah bah, pour mettre Thierry de Webedia, il faut un Pokémon extrêmement riche, si je puis me permettre, mon cher Skildan. Allons-nous trouver ce Pokémon. Un Pokémon un peu de... un peu entrepreneur. Merci, Imtad. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Ouais, bah c'est ça. Enfin, c'est pas que je me rends compte qu'il est en surcoté, mais je me dis Lixi. Bon, après, il a pas d'attaque électrique encore, mais. Mais frère, il fait vraiment zéro dégâts, hein. Le louche. Regarde, c'est une salope, gros. Genre, c'est hallucinant. Regarde, il fait vraiment pas de dégâts. Honnêtement, je suis abattu. Si là, il meurt, je casse tout. If I speak, I'm in big trouble, you know. So I don't speak. Allez, c'est bon, mieux que. Il doit avoir des IV pété. Ah bah j'ai pas. Je t'avoue que je mange pas de ce pain là. Relâche ton dix. Voilà, prends ton niveau 12. Ah et c'est bon. C'est bien vu ça, c'est très bien vu. On va quand même changer one shot avec à chaque fois hein, je pense ouais. Quand ce sera Machoke on va partir sur Maxildan qui va one shot avec Cruel. Et sinon ce sera sur sinon ce sera sur notre starter sur Chimp en feu. Comment il va? Parce que sinon on va jamais s'en sortir. Merci beaucoup Skildan encore une fois qui offre un sub juste le mec régale à l'infini. Merci beaucoup mec, hein, vraiment. C'est hallucinant. De régaler le petit peuple comme ça, les gens qui... Tous ces pauvres. Ouais, ça partage 32 d'XP, c'est vraiment les miettes. Et après je pense qu'on va bouger de toute façon parce que... Il n'y a pas suffisamment de Ponyta, je me rends compte que c'est pas très worse. On va aller vers la grotte et on va pouvoir pec sur le chemin de toute façon. Ok, Maxildan, on va faire ça. Puis on va aller chercher de la bicyclette, on va rejoindre notre ami Xari. On va aller voir quelle sera la deuxième arène du coup. Parce que là, pour le coup, est-ce que ça va être comme la première génération et qu'on va se retrouver avec une ondine tiers, savoir des Pokémon haut en deuxième badge ou pas. Voilà, Machoke, on en parle plus. Maxildan qui prend ce petit 32. C'est très bien vu. Allez, on trace. Parce que là c'est relou. Là c'est un peu relou. Après c'est ça, hein, ces Pokémon, hein, ça pexe un petit peu. Ouais, c'est juste pour avoir les évolutions. J'avoue qu'après, vous allez vite voir que moi je pexe pas des masses. Hein, puisque quand j'arrive à la Ligue Pokémon, généralement, il me faut des items. Il faut utiliser les items. Mais pas de soucis, merci. Merci à toi. À très bientôt. D'ailleurs, on a forcément la petite... c'est quoi? Les CTCS Éclatrock qu'on va utiliser. Bien sûr, on va la prendre à Jibiz.
Et on va pouvoir l'utiliser en dehors. Donc je suppose qu'il va falloir remonter par la grotte. Ça doit être ça. Tiens, 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 le Twitch Prime. Merci Monsieur Flows pour ton deuxième mois. Merci beaucoup d'utiliser ton Prime. Parce que je vous rappelle que, bien sûr, utiliser votre Prime, c'est absolument fabuleux. C'est moins cher que gratuit. Cliquez sur un petit bouton Prime. Et vous êtes abonné tout simplement à la meilleure chaîne gaming de France. Et ça, c'est juste dingue. Et Skildan qui offre encore du sub à Dadou et LM. Merci beaucoup. Oui, je me souviens de la ligue sur Pokémon Air Gold, la galère. Et encore... sur Pokémon Air Gold, les gens m'ont dit ouais, t'avais pas fini le let's play. Alors, si j'avais tout fini, j'avais dit le let's play se finirait quand on battrait Raid. Et c'est vrai que la VOD n'est jamais sortie parce que malheureusement, c'est un fichier corrompu. On l'avait fait que sur Twitch. On avait battu Raid. Et ben voilà, pour ceux qui ont suivi en live Raid, ça avait été catastrophique aussi. On avait mis 15 ans à détruire son Ronflex. Ça avait été ouf quoi. Merci pour le Prime, encore une fois. Merci beaucoup, Tevlen. Là, tu vois, si j'avais une petite attaque électrique. Ça aurait régalé. Après, en vrai, il est niveau 5. Je peux le one-shot si ça fait de la zikmu. J'espère qu'il n'a pas ultrason. Sinon, je quitte. Je quitte directement. Voilà. Pas perdre de temps. Hein. Comment il va ? Ciao, Bella. Oh, Pépin 3 pommes qui offre un sub aussi. Merci. Merci beaucoup, le saint. On va essayer avec la troc. Jibiz ! On a un Pokémon dedans ? Non. Je sais pas si c'est toujours le cas quand on utilise Éclatroc qu'il puisse y avoir comment un il va qui nous agresse. Je ne sais pas. Oh là là, ça continue, hein. C'est du subgift en veux-tu en voilà. Merci beaucoup, Skidal, merci. Cette version, la ligue est méga dure, prépare-toi bien. On verra, mec. Il y a très peu de choses qui me font peur, si tu vois ce que je veux dire. Pas besoin de me préparer. Moi, je pense qu'avec un Pokémon, je finis la ligue. Tiens, 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 le Twitch Prime. Juste un Pokémon, je pense que ça suffira. Merci pour le Prime. Oh la guerre, c'est la folie. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Est-ce que parmi vous, il y a des gens, même sur YouTube, je suis curieux de savoir. C'est vrai que j'ai pas posé cette question au début. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui découvrent la génération 4 comme moi, là actuellement, en full découverte? Et pour l'instant, ressenti après un peu plus de 2 heures de jeu, je kiffe bien l'histoire... Bah pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, je vais pas te mentir, puisque on est sur du classico d'El Madrido. Voilà, il y a des personnages qui m'intriguent un petit peu, je trouve ça assez sympa. Graphiquement, j'aime bien. Et puis bon, bah, ça se voit que c'était de la DS, quoi. Donc c'est assez cool, il y a un petit step-up, j'aime bien. Ouais, il y a des gens qui découvrent aussi en même temps, bah, c'est cool, on découvre ensemble. Et après, pour les aficionados, ils doivent être très contents de la roche, c'est que Souzy, il est saucé à l'infini. Là, il est AFK parce que je sais plus ce qu'il est parti faire. Se doucher, je crois. Mais se doucher, c'est un dé que j'ai dit. D'accord, tu arrêtes d'être dégueulasse, s'il te plaît. Mais, ouais. Ok, mais j'ai pas de bicyclette. Pourquoi tu me parles de bicyclette, en fait? Du coup, ça doit être très, très cool. Tellement de bons souvenirs. Ouais. Ah, écoute, j'aimerais dire pareil. Mais non. Parce que j'ai pas joué. En fait, je crois que... Est-ce que vous pouvez me donner la date de sortie de Pokémon... pas Platine, parce que c'est sorti forcément après, mais du coup, c'est quoi, Diamant et Perle? Parce que moi, il me semble que j'ai pas joué parce que je suis passé au collège et je me suis un peu... J'ai eu une période où je me suis un peu désintéressé de Pokémon. 2007, ouais. Donc 2007, j'ai donc 16 ans. Ouais, c'est ça. 2006, 2007... Ouais, ça doit être ça. Donc je m'étais un peu désintéressé de Pokémon. Donc ouais, moi j'avais 15-16 ans à ce moment-là. J'ai arrêté, ça m'a pas intéressé. Je me souviens même qu'à l'époque j'étais en mode oh, encore une version Pokémon, quand est-ce qu'ils arrêteront? C'est un peu n'importe quoi, Pokémon quoi. J'étais un fils de pute. Et du coup je suis passé après les autres versions, la génération 5 aussi, pareil. Passé vraiment à côté. Et je me souviens que quand ils ont annoncé XY, bah j'étais à Ashford. Ouais, j'habitais à Ashford. Et là, regain de ouf, j'étais en mode putain, mais j'ai juste envie de rejouer de jouer un nouveau Pokémon, tu vois. Et j'avais refait en live un peu les anciens Pokémon parce que bah, je kiffe, j'adore la vieille version, quoi. Donc voilà. Putain, j'aurais pu capturer Psychocoque, je suis un con. Là, on est en train de parler, on discute, je vous raconte ma life, mais
J'aurais pu totalement faire ça. Je peux pas aller là? Comment on fait? Non, c'est une énigme. Pff, l'énigme est chaude. Ah, c'est un truc de terre, c'est avec la bicyclette, non, peut-être? Oh, psychoquack, let's go. Parce que tu peux... Quand tu vas faire aquaquack, faudra pas dire bip. Ouais, ce sera mon premier Pokémon. Oh, je vais, pour le coup, je vais le récupérer. La 5G vaut vraiment le coup, je trouve. Apparemment, la 5G, c'est sur l'histoire. Moi, j'ai ouï dire par rapport à l'histoire, surtout, j'entends en mode... 5G, l'histoire est vraiment dark, quoi. C'est, on sent que, putain, sale connard de Lelouch, s'il pouvait arrêter de louper son attaque. On sent que vraiment, c'est pas évident, quoi. C'est une prise de position assez énervée, ouais. Tu fais pas une team qu'avec des nouveaux Pokémon? Bah, écoute, pas spécialement, hein, j'ai pas prévu. Si je peux avoir que des nouveaux Pokémon, bah c'est cool. Mais là, dans l'idée, j'ai un psychoquoi qui s'offre à moi, donc on pourra prendre ça, hein. Attention, ok, psychoquac, oui, directement, parfait. Bon, mon psychoquac, ce sera, c'est qui ça peut être en psychoquac? Quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui a la tête de canard, qui est un canard ici? Qui est un canard? Je dirais bien Norman, mais je dirais bien Genius. Oh pardon, excusez-moi. Psychoquac, Pokémon canard, ses pouvoirs déconcertants et mystérieux lui font subir de constantes migraines. Voilà, c'est la voix du Pokédex, bien sûr. Zoulou, les bâtards. Allez, Zoulou. Zoulou, c'est la majo, là. Hein, la majorité, mesdames et messieurs. Le petit Zoulou. C'est vrai que... ouais. Je vois. Zoulou, super Zoul. C'est vrai. Ça match. Donc, là, on peut pas. Donc, on s'en va. On s'en va d'ici. Rien à y faire. Je veux une vidéo Pokédex de Gigi. Vous voulez que je vous fasse tout le Pokédex? Je fais la voix. Il aurait pu le faire. Il pourrait rajouter l'option voix. Il faudrait un mode comme ça où tu puisses rajouter ta voix. Tu t'enregistres toute la voix du Pokédex de tous les Pokémon. Et dès que tu captures le Pokémon et qu'il t'affiche le Pokédex, bah, t'as la voix derrière qui le fait. Ah, ce serait vraiment, vraiment stylé, quoi. Tes rediffs sont en sub-only. Ouais, mes rediffs sont en sub-only, notamment pour les React, qui sont les exclus de Twitch. Puisque là, bon, après, là, on est sur la reprise, hein, donc voilà. Tiens, d'ailleurs, vous savez ce qu'on va... Attends, on va le faire après. Mais sinon, pour Pokémon, ne t'inquiète pas, l'intégralité sur YouTube. Voilà, l'intégralité sur YouTube. Si vous êtes sub, ouais, vous avez l'avantage de pouvoir les voir avant, si vous avez loupé le live. Mais sinon, après, ce sera sur YouTube gratuitement. Aucun souci. Des news de per day. Non. Mais tu es où, Gigi? Là, c'est pas par là. Ouais, c'était pas par là. Bah, je me promène, en fait. Il y a des gens qui ont un problème avec le fait que j'ai envie de me promener. Il y a des gens qui ont un problème avec le fait que je découvre ce jeu et que je n'y ai jamais joué. Je suis en full aventure. Non, parce qu'on va devoir se battre. Ah ouais, tu peux personnaliser le cri au micro. Putain, mais que dans Pokémon, du coup. Donc, C'est pas full insane non plus, quoi. Ok, donc ça c'est fait. Je pense qu'on va devoir retourner par la ville et monter, prendre un chemin différent tout simplement. Et on va les soigner un petit peu tout le monde. Tiens, voilà, c'était sûr. Oh non, c'est le retour de... comment il s'appelle? Bellivirus, là, je sais pas quoi. Belladonis. Dis-moi, tu as retiré ton registre ami? Tu peux en obtenir un gratuitement au sous-sol de chaque centre Pokémon. Bon. On dirait qu'il n'y a aucun individu suspect à féliciter. Ainsi donc, je m'en vais poursuivre mon enquête ailleurs. Cela dit, je te suggère d'ouvrir l'œil et de te méfier des gens louches. Ok, mec. On verra bien, parce que d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des... Ça, je vais découvrir, hein. S'il y a des grands méchants, du coup, sur ce Pokémon. Est-ce qu'il y a une team Rocket, une team Aqua, Magma, Flaga? Je ne sais pas. On verra bien. Mesdames et messieurs, Belladonis Sama. À une prochaine fois, au revoir madame. Donc on va aller au sous-sol voir le registre ami. Donc c'était pourquoi ça, c'est juste pour faire les combats entre amis, je suppose. Bon, je suis un peu bêtement le tuto. Allez, faire notre connaissance, je suis Zadia. D'accord. Zadia, je serai votre guide dans le club Wi-Fi Pokémon. C'est le club Wi-Fi Pokémon. Là, c'est ça, j'ai le registre ami. Ok. Non, j'ai compris. Merci. D'ailleurs, est-ce qu'on peut toujours
récupérer, faire des échanges, etc. à l'heure actuelle sur ce Pokémon. Par exemple, sur les générations de Pokémon DS, c'est toujours possible. Alors, je lis un oui, je lis un non, donc il faut juste se mettre d'accord. Pourquoi il s'en va pas de la chaîne télé, là? Bah ça, je sais, on l'a vu tout à l'heure, mais tu t'en vas pas, ok. Oh là là, homme mystérieux, ah. Allons, allons, du calme. Je vous conseille d'obtempérer, professeur Sorbier. Confiez-nous tous les résultats de vos recherches. Gratuitement, bien sûr. Si vous refusez, votre bras droit passera un sale cadeur. Wow, menace physique! J'arrive. Ah, Jiraya, eh bien, comment pour... Ça me termine, le mec est en train de se faire menacer, toi t'arrives, et du coup, il slash ignore tout le monde, tu sais, il se retourne, et il est en mode... Jiraya, comment ça va? Je vois que tu as obtenu le badge de charbon, il me semble que c'était hier. Je t'ai donné ton premier Pokémon, bah ça tombe bien, parce que c'était même pas hier, c'était juste tout à l'heure, c'était il y a 2 heures. Le métier de dresseur est peut-être comme une seconde nature pour toi. Oh, professeur! Pourquoi faire tant de difficultés? Soyons sérieux, nous parlons affaires à ce moment même. Je le répète, nous vous ordonnons de satisfaire nos exigences. Silence, vous autres! Qui donc m'a fichu des importants appareils? Il vous reste quelques petites choses à apprendre. Petit 1, on ne rôde pas de ci, de là sans raison. On n'interrompt pas les gens en pleine discussion. On n'obtient pas ce qu'on veut en haussant le ton pour intimider les gens. Le nombre ne fait pas la force. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement d'abord? Mes aïeux, et ils se prennent pour des adultes. Vous, les enfants, ne prenez pas exemple sur eux. Hey, il a fallu que vous en fassiez une affaire personnelle. Vous nous obligez à utiliser la force. On va vous faire regretter d'avoir insulté la team Galaxia, la team Samsung Galaxy, c'était ça la vanne. S'il vous plaît les enfants, donnez une petite leçon de savoir-vivre à ces crapules. Jiraya, allez, unissons nos forces. Cette imitation était moyen. Ok, combat duo. Ils veulent se battre. Moufouette est envoyé par Sbire et Shaglam. Excuse-moi, Moufouette, il a un cul à la place de la tête, non? C'est un cul, c'est vraiment un cul. Tête de cul, si je puis me permettre. Très bien, très bien. On va faire des... je vais lui faire les gros yeux. Les gros yeux sur les deux. Oh, le bâtard, il m'a bluffé. Je suis bluffé. Ça a été raté, le louche il a la trouille, forcément la petite charge qui a été mise. Ouf. Allez, on ressemble. Les gros yeux. Shaglam qui va griffer un petit peu. Bien joué ça. Combo griffe dans ma mère. Ah mais moi j'ai pris cher, j'ai pas eu. Oh non. Oh par pitié. J'ai 3 fois. Voilà. Tortipousse, il a pas des vraies attaques là. Ok, charge, voilà, c'est bien ça. Charge sur... C'était quoi? Tortipousse? Non, Moufouette. C'est bon. Tortipousse qui tank bien hein, pour l'instant. Ça dégoûte de voir qu'il n'a pas évolué encore, mais bon, c'est pas... Enfin, elle l'a pas évolué. Hop. Je suis abasourdi, les amis. Mais ce Dixie est le pire Pokémon. C'est le pire Pokémon de tous les temps, gros. Il n'attaque jamais. Putain, fais un effort. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est une salope. Il est inutile, il me fatigue. Hein. Ah vraiment. Ah, pourquoi je vous écoute aussi, moi, ça me... Fatigant ça. Hein. Non, gaz toxique. Allez, c'est loupé. Complètement loupé le bouffon. Nous, on va lui mettre un cruel à Moufouette là. Vous allez comprendre qui est le patron ici. Hop. Non, gaz toxique. Alors peut-être tous les deux. Oh, I am poisoned. Oh, ça fait ça. Oh, le vol de vie qui est utilisé. Et après, je vais utiliser Vive Attaque pour Moufouette, comme ça on le rend permanent. Et c'est bon. Maxidane souffre du poison, pas de soucis. La Vive Attaque sur Moufouette. Alors peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vas la douche, ça va. Ah, tu vas pas.
T'as fait pipi à la culotte. Qu'est-ce qu'on a dit? On fait pipi où? Dans les toilettes ou d'auto. D'accord? Il faut faire attention. Non, pardon, j'étais en train d'éduquer ma fille. Oh, j'ai appris à être seul, ça y est! Vive la vie! Vive la vida! Donc, c'est bon, c'est gagné. Petit pouce qui m'écharge. Et voilà, c'est fini. On leur a appris un petit peu qui étaient les boss, mesdames et messieurs. Allez, Louche qui prend ses 82 points d'XP. Maxi Dan aussi. Et voilà. Non, mais vous êtes nuls. Vous avez un flow négatif, vous avez des coupes au bol bleu, turquoise, rien qui va, les gars. Les team Samsung Galaxy, j'adore le téléphone, d'accord, mais voilà. Wow, vous ne nous laissez pas le choix, nous allons vous quitter pour l'instant. Ok, parce que la team Galaxy n'a que de bonnes intentions. Quels imbéciles! Ils se présentent comme la Team Galaxy. Lorsqu'ils évoluent, les Pokémon semblent libérés de l'énergie. Je pense, quant à moi, que c'est une puissance mystique incontrôlable. Mais la Team Galaxy cherche à exploiter son potentiel. Ils cherchent à savoir si on peut l'utiliser comme source d'énergie. Jiraiya, tu le savais? Le professeur étudie l'évolution des Pokémon lui aussi. D'après ses recherches, 90% des Pokémon sont liés à ce phénomène. Ça explique que ces énergumènes aient cherché à s'emparer des travaux du professeur par la force. C'est scandaleux de leur part! C'est terminé maintenant, ne vous en faites pas. Grâce à vous, nous avons évité le pire, je vous en suis reconnaissant. Au fait, Jiraiya, félicitations pour tes talents au combat. Pourquoi n'essaies-tu pas d'obtenir tous les badges d'arène de Sinnoh? Comme ça, tu rencontreras de nombreux Pokémon. Ah, c'était mon but à la base, c'est ce que je voulais faire. Ce qui signifie que les pages de ton Pokédex ne cesseront de se remplir, ça m'aiderait beaucoup dans mes recherches. Cela dit, le Pokémon et le Pokédex que je t'ai confié t'appartiennent. Tu es libre d'en faire ce que tu veux, prends soin de toi. Ben merci. Merci mon frère. Ah... Je sais pas si... Ah, qui est-il? Oh, c'était très bien joué, vraiment excellent. Je m'excuse. Alors déjà, la formulation, je m'excuse. C'est pas français, mais c'est pas grave. Je travaille pour Feli Télé. J'aimerais te donner quelque chose pour m'avoir offert ce beau combat. Un coffret mode. Ok, qu'est-ce que c'est? Dans le coffret mode, tu trouveras un large... Excellent, j'adore les bits. Et de décors élégants. Très bien, très bien. Habille tes Pokémon pour ramer... Merci pour toutes ces bits, j'avais pas vu des 600 bits ici là qui me régalent énormément. Merci Itachi. J'étais très sûr, j'ai pas compris là, je peux habiller mes Pokémon? Désormais, la chaîne de télé a mis en place des installations pour que les visiteurs habillent leurs Pokémon. Elle offre aussi des prix, alors viens visiter notre chaîne. Qu'est-ce que c'est que ça, messieurs, dames? Comment ça on peut habiller ces... Ah merde, oui, j'ai eu peur, j'étais en mode oh, ça fait... Non, c'est vrai que malheureusement, on a que le code de Poisoned que nous allons aller soigner tout de suite. Ah, uniquement en concours. Ah oui, parce que j'avais pété un pont, gros. J'allais dire, ça y est, on habillait Pokémon. On ne respecte plus. C'est fini, maintenant. Par contre, et il fait un peu frisqué, là. Alors que je monte le chauffage, là, dis donc. Je l'ai mis à 19, mais il fait frais, hein. À une prochaine fois, peut-être. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, je vous avoue que j'ai pas vraiment envie d'aller voir ce que ça donne pour habiller. Comment il va? C'est pas très, très grave. Merci, merci, bon Clay. Enfin, merci Skildan d'avoir offert un sub encore une fois, et c'est à bon Clay cette fois-ci. Merci beaucoup. Cœur sur la main, celui-ci. Ok, attaque aide. Ah, d'accord. Donc là, moi, t'es en train de dire que j'ai l'air faible. Ok. Ok. C'est parti, fillette Sarah qui veut me tester. Tiens, Lixi, je connais pas mal. Ça loupe tout le temps son attaque charge. Par contre, il lui manque deux niveaux. Et normalement, j'en fais une dinguerie. Je peux pas. Putain. Je peux même pas faire étincelle du coup parce que ce sera pas très efficace et ça ne servira un peu à rien. Le charge qui est jeté, bien joué, on va remettre un petit gros yeux et puis on en finit et ce sera très bien. Oh là là là. J'ai vraiment envie de voir les concours, j'ai hâte de faire les concours aussi. Ça c'est vraiment un système dans Pokémon que je kiffe bien. En troisième gen vraiment j'en faisais beaucoup les concours. Alors, petit gros yeux. Ça sert à rien avec étincelle, j'ai pas de dégâts étincelle. Pas mal étincelle au début, je veux dire, c'est toujours mieux que rien si je peux me permettre. Là il avait rien du tout, on va pas non plus cracher sur tout. Ok.
quoi jouer Lixi, les mauvais Pokémon. Putain, mais faut savoir. Les gens sont en mode, non, ça devient un super Pokémon de ouf et tout. Putain, ça dégoûte. Hein. Concours, ça a plus rien à voir. Ah bon? Là, je parle. Là, on parle. Là, étincelle et c'est fini. Justement. Allez. Parce que je me permets chargeur. Je me permets chargeur. J'ai envie de me faire kiffer. J'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur, mesdames et messieurs. Attention, Magikarp, un petit coup de trompette, peut-être. Violente. Violente cette attaque. D'ailleurs, on sait à quoi ça sert l'attaque trompette vraiment. Enfin, je veux dire, pourquoi y a trompette au final dans le game? Est-ce qu'il y a une quelconque utilité un jour à trompette ou pas du tout? Ah, rien, c'est tout. Non, mais ça n'a vraiment. On est d'accord, ça sert à rien, ça n'a jamais servi à rien. Y a pas de truc caché ou. It's just a joke, ouais. D'accord. Parce que c'est quand même Magikarp avec son attaque trompette, c'est quand même le roi des bouffes qui est obligé d'attendre de ne plus avoir de PP sur trompette pour utiliser lutte quoi au début. Ouais, c'est quand même vraiment un nul, c'est un nulos quoi. Ouais, ça dégage. Messieurs dames, qu'y a-t-il dans cette Pokéball? Un antipara, très bien. Ok. Oh, j'ai hâte de faire évoluer mes. Laisse-moi respirer un petit peu. Mes autres Pokémon, et de voir à quoi ils vont ressembler. Que Notor, c'est non du tout. On a déjà notre Cesslave. On va voir si tu fais. T'as un peu d'attaque spé, le loup. Dis-moi que tu fais un peu de dégâts. Cette étincelle ici. Si c'est faisable, une étincelle. Magnifique. OSED. 33 points d'XP. Monstrueux. Voilà, parfait. Donc là, on a fait les deux dresseurs qui sont sur le côté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, juste en bas. On va pas monter. Alors, attends. Si ça, c'est ouvert, c'est qu'il y a peut-être un truc à récupérer. Non? Est-ce que je vois trop loin? Ah ben non, c'est juste qu'il y a de l'eau et qu'on peut utiliser surf plus tard. Non, j'ai rien dit. Par contre, en bas à gauche, il y a forcément un truc. Il y a un petit carré sans herbe. Il y a forcément un truc à récupérer. C'est obligatoire. C'est obligamment... Ça veut rien dire. C'est obligatoire. Ok, petite étincelle, étourmi, donne-moi ton XP, je vais aller voir s'il y a un petit item, et on verra, ouais il faut surf quoi. Tu joues sur PS4? Non, je joue sur PS5, hein, bien sûr, sur PS5 via le PS Plus, bien entendu, le jeu est disponible, voilà. Qu'est-ce qu'on rit, hein? On rigole, enfin ça c'est de la vanne, hein, c'est... Ah, rose bouton niveau 3, miskin, on va le laisser vivre. Non, y a rien. Oh, je pensais tellement qu'il y aurait un truc. Oh, je me suis fait baited. Oh, j'ai un peu le seum. Trop bien, rose bouton. Oh, c'est pas mon kiff. Ok, Rachel, rose bouton. Tiens. En parlant du clébar. bah, gros yeux, charge. On n'en parle plus. Rose de rat destillé. Je connais pas. Je connais pas la suite, enfin je vois vite fait à quoi ça ressemble, mais pas folichon. Non, le coup critique là qui m'a mis, t'es violent. Et niveau 7, là normalement, mais au moins, voilà, ce que j'allais dire, c'est tout chouette, hein, sinon. Ouais, c'est, bah il doit être poison, il doit être quoi, poison plante, je pense. Non. Après, ça semble assez logique. Salut, cycle. Allez, les 102 points, niveau 14. Plus qu'un petit level pour le louche. Et on aura droit à sa première évolution. Que j'ai hâte de découvrir. Parce que je ne connais pas ce Pokémon de cette génération. Oh. Tiens. Rose, bouton, level 4. Ouais. Aucun intérêt pour l'instant. C'est vrai qu'on a un psychoquack que j'étais en train de capter. Ouais, j'ai récupéré un psychoquack. On va pouvoir faire des choses. Lui, c'est quoi? Oui, moi aussi je crois. Oh putain, je suis en jeu. Qu'est-ce que je peux détester les grottes dans Pokémon. En fait, je pense que... Alors, traumatisé, c'est un grand mot. Mais ça m'a fait chier comme tout le monde. La première génération, t'étais là, t'es Pokémon rouge ou bleu, peu importe. T'es tranquille, t'es peinard. T'arrives dans la première grotte et t'es obligé d'avoir Flash. Tu vois, t'es obligé d'avoir ta putain de CS Flash.
pour pouvoir y voir quelque chose. Et au début, tu comprends pas trop quand t'as jamais joué à un Pokémon, tu vas un peu à tâtons, tu te perds, des Pokémon qui t'attaquent toutes les deux secondes. C'est vraiment, j'aime pas du tout, ça m'a toujours saoulé quoi. Le point central du jeu, c'est une montagne. D'accord, bon bah yes. Yes, let's go. Trop content, mec. Ah ouais, c'était infâme. Pour moi, c'était vraiment infâme, quoi. Mais ouais, après, il y avait le côté grotte plus couplé à Flash à l'époque. Je trouvais ça trop chiant, quoi. Le Mont Sélénite, c'était abominable. T'avais vraiment pas envie d'y aller, quoi. T'avais juste envie de fuir le plus loin possible. Surtout à la fin, tu vas dans la montagne, sinon tu vas pas trop. Ouais, c'est pas grave, là ça va. Après, tu peux te démerder hein. Si vraiment c'est chiant, tu prends un repousse. Enfin, tu vois, y a toujours moyen de moyenner, comme on dit dans le milieu. J'ai même pas vu qu'il allait changer. Ceribou. Bah écoute, c'est une fin de rêve pour Ceribou, hein, directement. Si t'as pas de repousse, ouais, c'est un fin. Allez hop, Navarron qui prend l'XP. Merci madame, le pouvoir des fleurs, tout ça. Un petit réveil. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Alors lui, on va l'attaquer. Voilà. Et en plus, on est en combat en double juste après. Très bien. Enfin, je suppose, parce que je vois les jumelles au-dessus. Omar ? Non, c'est Hervé. Putain, j'allais dire, est-ce que c'est Scoot Omar qui est de retour ? Oh, le Chenipote ! Chenipote, c'est littéralement... D'ailleurs, Chenipote, c'est pas du tout cette génération. C'est troisième génération, Chenipote. Oui, c'est troisième génération. Hein. Mais pour moi, Chenipote, je me souviens quand j'avais découvert Chenipote, j'étais en mode, mais attends, mais c'est vraiment genre, les mecs, ils se sont dit, oh, on a Chenipan, et on sait vraiment pas quoi faire. On s'est dit, bon, bah, vas-y, il est rouge, quoi. ils ont paniqué, tu vois. Oh, c'est sécrétion. Génération platine, c'est la quatrième génération. Quatrième, messieurs, dames. Ok, il a baissé ma vitesse, parce que je me prépare un petit coup d'étincelle. Voilà. Et un petit coup critique. 115 points. Putain, il m'a donné 115 points. Non, il a pas écrit kick. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Étincelle, il y a moyen que. Putain, j'aurais du chargeur, je pense. Est-ce que je peux faire chargeur étincelle? Oh, patience, vas-y. Alors, je sais pas si ça se stack. Ah, il se concentre. Je vais pas attaquer, hein. Voilà. Et là, je peux attaquer. Je pense. Parce que là, il va attaquer, lui. Voilà, ça échoue. Le bouffon. Et là, normalement, c'est terminé pour lui. Oh oui. Oh oui. Oh, vraiment, c'est vraiment, vraiment terminé pour lui. Massacré. Bah les gars, vu qu'il a fait patience, j'avais aucun intérêt à l'attaquer. Parce que les gens ils tombent en mode oh non, rip et tout. J'étais là, bah non, si je l'attaque pas, il m'attaque pas. Enfin, il fera zéro dégâts. Oh, petite CS coupe plus tard. Let's go. Là, il y a moyen qu'il passe le level en vrai, je pense. On est les plus forts de la glace. Du. Jumelle, Lia et Elise. Ah, oh, les Pachiris. Ce Pokémon inutile aussi, c'est pareil. Vraiment en full dingus, quoi. Hop, on va envoyer un... J'envoie un Machpunch dans sa mère ou pas? Ou Flamèche, ça touche les deux, quoi? Non, ça touche un. Vas-y, un petit Machpunch. Ouais. Oh, la vive attaque. Oh non, ils vont... Faut pas qu'il me tue le louche. Hein. Voilà, on va baisser tout ça. Ah ouais? C'est pas si inutile. D'accord, moi je pensais que vraiment c'était. Je pensais vraiment que c'était un Pokémon ou Zephtier. Genre nul à Yesh. Dont tout le monde se bat les couilles. Oh non. Ah non. Hein. Oh non!
Ah si si c'est nul, d'accord, ok. Level 15 les amis, on a fait la différence. Ok. On va le soigner, quand même, on va le respecter. Voilà. Comment il va? Et on va mettre la mèche. Parfait. Skill down. Comment il va? Encore une fois du GG de tous les côtés, les 5 subs offerts par Skildan. Merci frérot, merci beaucoup. Putain, tiens, me fou furieux. Hein. Comment il va? Merci, hein, merci. Il est incroyable, il est inarrêtable. Comment il va? Ah, merci. C'est terminé pour Pachirisu. A plus en LAN. Comment il va? Je croyais que c'était moi qui avais eu le sub la haine. Bah, après, si tu as un certain Twitch Prime, mon cher ami, c'est moins cher que gratuit, n'hésite surtout pas. Alors, l'évolution, curieux de voir, sachant que vous m'avez dit qu'il avait deux évolutions. Hein, donc, putain, il a l'air de ressembler vraiment à ce qu'il est de base. Hein. Ça va, il est un peu plus stylé quand même. Il gnole un peu plus fort. C'est un Luxio, mesdames et messieurs. Donc, écoute, j'espère que Luxio sera plus fort que Lixie, car actuellement Lixie nous a beaucoup déçus. Tiens, on va pas se mentir. Prime. Ça m'a fait vraiment, vraiment du mal, quoi. Merci pour le Prime, Delumix. Merci à tous ceux qui utilisent leur Prime ici. Merci beaucoup. J'ai plus de 1050 subs. C'est énorme. Hein, merci, merci énormément. Allez, vas-y, prends un peu d'XP, mon pote. Là, d'ailleurs, je suis con parce qu'il faut que je change. Là, faut que je mette Maxi Dan pour avoir l'évolution. On sera bon. Ouais, c'est pas très efficace, mais regarde, il est paralysé. Là, il ne peut pas attaquer. Oh là là, c'est bon. Tiens, le Twitch Prime. C'est du flexing total. Et merci encore à Prime ici, Infirlo. Merci beaucoup. Hop, ça dégage. Donc là, il est temps de changer d'ordre, bien sûr, et de mettre enfin... Tiens, le Twitch Prime. Tiens, merci beaucoup encore pour ce Prime, Chauffrod. Merci beaucoup pour le deuxième mois et le Prime, forcément, ici. Comment il va ? Merci. Oh, merci Full, 39e mois déjà. Vous avez vu la compétence qu'on vient d'avoir ? Pour ceux qui me suivent à l'ancienne, on vient d'avoir Balgren. Balgren avec Nenupio, c'était... Prime Time de Nupio, c'est injouable à tous les niveaux. C'était vraiment Balgreneux. Quelle époque formidable où je finissais la ligue avec Balgren, quoi. Je vais la garder précieusement, cette compétence. Je vous le dis. Comment il va? Merci en tout cas. Et merci dans le chat, merci. Allez, Maxi Dan, rien du tout. Oh, on va le faire passer level 12 quand même, parce que là, il me fait de la peine. Hein. Miskin. Ah, on a rien du tout donc. Allez, ça c'est du one shot sur le chenipot encore une fois. Si on peut, avec ce petit cruel qui fera la différence. Directement, mort. On n'en parle plus. Tiens, le Twitch Prime. Merci pour le Prime! Awa! Du coup, lui. Ah, mais en vrai, il lui en manque que deux. En vrai, littéralement. On va encore arriver à une heure de VOD. Putain, les trois premières VOD, ce sera une heure, quoi. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit dans le mille. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se terminer sur l'évolution de Maximum, puisque là, ça va aller assez vite, hein. En vrai. Je pense que je peux one-shot à peu près quasi tout le monde. Oh, évidemment. Moi, je pense que j'ouvre trop ma gueule et que je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc. J'ai dû faire quelque chose. Tiens, le Twitch Prime. J'ai dû faire quelque chose, on m'en veut. Merci pour le Prime, Nantes, merci. Ah, t'as des events à XP juste après si tu veux. Ah oui, juste là. Après bon, c'est parce qu'on arrivait à la ville et que ce spot-là était très bien pour Etourmi, vu que c'est que des Pokémon insectes, donc Pokémon plantes insectes, qui se font forcément malmener par les capacités vol. Ah les gars.
En tout cas, je suis très très heureux, les frères. Je suis vraiment super heureux de commencer ce let's play. Ça me fait vraiment du bien de jouer à un Pokémon. Là, ça fait déjà plus de 3 heures qu'on est dessus. Je suis content, tu vois. Sachant que maintenant j'ai mon studio, je peux hurler comme ça. Ma fille est partie se coucher, j'en ai rien à foutre parce que on n'entend plus, c'est isolé. Bon, je vais remonter le chauffage hein, quand même pour la prochaine fois parce que là, putain de merde, qu'est-ce que ça caille. Donc ouais, là ça va être des dingueries hein. Il va y avoir de la pure nocturne des fois, je vais rien dire à personne. Bam, ça va balancer directement et je vais pouvoir remettre des créneaux le soir. C'est trop cool en tout cas. Merci parce que vous êtes encore une fois très nombreux à être là pour ce let's play. Je sais que c'était un let's play très attendu. Lundi ce sera alors ce lundi me semble compliqué, mais on va essayer. Mais ce sera God of War. C'est pas sûr que ce soit ce lundi. J'attends encore la réponse de Samsung qui met un temps monstrueux pour la télé, et à partir de là, après ça va dérouler quoi. Ça va dérouler. J'ai trop hâte. Franchement, le let's play God of War, j'ai trop hâte de découvrir ce jeu, de me régaler dessus. Voilà, je voulais un let's play chill. Yeah, un let's play chill. et du coup, ce Pokémon, let's play chill découverte. Pokémon, c'est parfait. Un truc un peu histoire, lore, tryhard. Et je pense que God of War est parfait dessus. Reflet. Ouais, non, c'est bon. Reflet. D'ailleurs, qui ici est absolument dégoûté du traitement de faveur dont fait l'objet Reflet dans la série animée et ce qui est réellement Reflet dans le jeu? Gros, quand j'étais gamin, je regardais l'anime, il était en mode où l'attaque hâte, mec. Hâte. Moi, je me souviens de cet épisode avec Ortide qui utilise Reflet. Il se démultiplie. Il a une puissance incommensurable. Le mec en face ne peut plus rien faire. Attends, Reflet, Prime Time, anime. C'est injouable, gros. Il est le Pokémon qui a Reflet et injouable. Pikachu attaque hâte. Injouable dans l'anime. Il est imprenable, le man. Alors qu'ici, hâte, ouais, ok, t'as monté ta speed. Rien à foutre. Alors, ouais, c'est bien. Et alors, dis-moi en plus. L'anime n'a rien à voir avec le jeu, c'est incomparable. Je sais, mais en première intention, en premier degré ici. Ça dégoûte un peu quand même. Quand tu regardes l'anime et que le mec fait hâte, tu dis oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est comme quand Sacha. Enfin, frère, désolé, mais ça fait 70 ans qu'il a un Pikachu. Il peut affronter n'importe quel Pokémon avec Pikachu. D'accord? Bon, le moment où il bat des rhinos féroces avec Pikachu, bon, j'ai vraiment envie de tout casser, quoi. Ouais, Pikachu, attaque Fatal Foudre et rhinocéros dans sa corne, ça lui fait mal, mais nique ta mère, arrête tes conneries. Fais chier maintenant. Voilà, il fallait qu'on en parle aujourd'hui, d'accord? Fallait que ça sorte. Faut dire les mots, faut dire les termes. C'est important, quoi, c'est important, merde. Je vois, il y a des incohérences comme ça, là, ça me... Ah, ça me trouve le cul. Ça me trouve le cul. Pikachu, il est trop fort. Faut pas enjoliver les choses, t'as raison. Exactement, j'ai raison. Un type... Désolé, mais là, dans le jeu, l'instant T, je prends Pikachu, il y a un Topiqueur, je lui fais Fatal Foudre. Eh ben, le jeu, il me dit, ouais, c'est ça, ouais. Tu fais quoi? Ouais, bien vu, ouais. Il me dit ça de suite, hein. Bien sûr que non. Attends, mais pourquoi il n'y a plus de Pokémon? Ah, c'est la nuit. Me dis pas que comme c'est la nuit maintenant... Oh, c'est pas possible, je vais chier dessus. Oh là là. C'est pour ça que l'animé est bien mieux que les jeux à ce niveau-là. Les Pokémon sont des vrais êtres vivants et ils jouent sur la vitesse. Ouais, moi je suis d'accord. Alors je dis pas que c'est pas une bonne chose dans l'animé. Je dis juste que quand t'es habitué au jeu et t'es au jeu... voilà, ça te fait mal. Tu vois, je reprends l'exemple tout con de Miaouss qui bat Onix dans l'anime parce qu'il fait preuve de d'ingéniosité, quoi, tu vois. Et juste, il a réfléchi, il s'est dit, ah, Onyx, ça craint quoi? Ça craint l'eau. Il lui jette un seau d'eau à la gueule et en même temps il attaque par dessus alors que combo griffe, ça pue la merde contre Onyx normalement, et il réussit à le battre comme ça juste parce que il y a une réflexion, voilà. Et je trouve pas ça déconnant, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vois ça et que toi t'es dans, tu sais, tu joues au jeu et t'es en mode, alors attends, quoi? Attends, donc là Miaouss quoi? Pardon. Donc c'est vrai que ça fout un peu le bord. Mais j'avoue que j'aime bien, moi. Je trouve ça drôle, quoi. Bah, c'est comme... C'est dans l'anime, de toute façon, que Pikachu peut utiliser Surf. Et que dans le jeu, ils ont fait une version d'un Pikachu. Je ne sais plus c'est quelle version, d'ailleurs. Où Pikachu apprend Surf.
parce que Pikachu surfe. Moi, je veux dire, à partir de là, c'est extraordinaire. T'imagines si l'anime avait les mêmes règles que les jeux, à quel point les combats d'anime seraient à chier. Ah ouais, ouais, vraiment. L'anime n'aurait que peu d'intérêt, ne serait-ce qu'à partir des utilisations des types. Le mec, il est en mode bon, bah, il sort chenipan, tu fais bon, ça la mèche, mort, terminé, putain, on n'en parle plus. Alors que là, c'est pour ça que je dis que Sacha, tu sais, il est très con. Quand il sort son chenipan face à des Pokémon feu, t'as envie de le fracasser, quoi. Tu dis, qu'est-ce que tu fais, sale con? Mais il le fait. C'est parti, l'évolution. Donc, apparemment, vous m'avez vendu Etourmi comme un god tier, hein, vraiment. Merci à Tsuki Eden, merci beaucoup pour ton deuxième mois, pour ton sub. Merci à tous, encore une fois, le soutien à la chaîne. Merci, c'est adorable. Ok, donc déjà, je vois qu'il a une petite houppette. Oh, j'aime beaucoup son bec. Et Tourvol. Ça sent que lui, faut pas trop le faire chier. T'sais, c'est vraiment un mec un peu du quartier, j'ai l'impression. Un mec 6-6-7 équipe. Équipe à fond. J'ai l'impression qu'il est pas là pour plaisanter, si tu vois ce que je veux dire. Maxildan. Oh, je sais pas, Maxildan m'inspire pas forcément ça, mais oui. Peut-être. Et tout Raptor, fort mais hideux sa mère. Ah ouais? Oh non, ça tue quoi. Équipe. C'est vrai qu'il y a les mots équipe. C'est quel chat réactif. C'est absolument incroyable. Écoutez, ça fait 1h06 que nous sommes en record de cet épisode, mesdames et messieurs. Et je pense qu'on va s'arrêter là. En plus, il est 20h05, c'est parfait. On est sur des timings incroyables. On a réussi à évoluer tous les Pokémon que l'on voulait. À savoir, donc, Maxidane qui est devenu Étourvol. On a Chimpanfeu pour Navaron. Et ici, Luxio. Luxio, je crois, pour Lelouch. Gibbs qui est notre poubelle. Et Zulu qui a été récupéré parce que je voulais un Pokémon haut. Et Psychokok, j'aime bien. Aquakok, ça reste un bon Pokémon aussi que j'apprécie. Qu'il faudra peut-être monter un petit peu. Par contre, Aquakok va falloir attendre. C'est quoi Aquakok évolution 32 32 36 38 je sais pas. Va falloir voir un petit peu, mais voilà quoi. Zulu on l'a pas trop respecté là pour l'instant, mais on essaiera de le respecter par la suite. Ah, 34, j'ai sorti tous les trucs qu'il fallait. C'est une pierre. Ah ouais, je me souviens plus du tout. Ah les gars, ça fait longtemps, j'avoue que je ne sais pas du tout. Écoutez, on verra, on va sauvegarder tout de suite, bien entendu, et mettre un terme à cette VODale ici de ce troisième épisode. J'espère que vous avez apprécié en tout cas les trois gros premiers épisodes qui sortent sur ce Let's Play Pokémon version platine. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas le like, le petit commentaire du référencement, hein, si vous souhaitez, de vous abonner à la chaîne pour de plus en plus d'aventures incroyables. On s'embrasse, on se dit à très bientôt, salut !